Hello, soyez la bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer quel sel utiliser pour l'alimentation de vos différents bétails, peu importe l'élevage que vous avez mis en place. Je vais me présenter avant de commencer cette vidéo. Je me nomme Abdoul Ramzi Samassi, votre ingénieur technique d'élevage. Je suis également qualifié en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production, et également en ATPA, agriculture tropicale option production animale. Quel sel faut utiliser? Tout d'abord, je vais vous dire, il faut éviter le sel de mer. On n'utilise jamais, il ne faut jamais utiliser le sel de mer pour l'alimentation de vos bétails, car ça provoque après des problèmes. Surtout au niveau de la volaille, Si vous utilisez le sel de mer, ça va provoquer les cas de piquage. Les souris vont se dévorer à la ferme. Elles vont se piquer. Elles vont se piquer de derrière jusqu'à ce que l'intestin ne sorte. Voilà. Elles vont s'entretuer. Si vous avez 5000 pondeuses, si vous avez 5000 chais, si vous avez 10000 poulets de chais, si vous avez 10000 pondeuses, vous pouvez tout perdre en quelques jours si vous n'avez pas résolu ce problème. Donc, pour éviter cela, voici le sel qu'il faut utiliser. Il faut toujours utiliser pour la fabrication de l'aliment de vos bétails. Il faut utiliser le sel fin iodé de cuisine. Je vous présente. Ce n'est pas de la publicité effet. C'est juste de la vulgarisation. Je suis là en tant que vulgarisateur. Vous pouvez voir ici le sel. Ça, c'est le sel fin iodé de cuisine. Le sel fin iodé de cuisine. Il renverse. Vous pouvez voir ici. Le sel fin iodé de cuisine. Vous voyez comment c'est fin. Le sel fin iodé de cuisine. Vous pouvez en avoir. Vous pouvez trouver ça à la boutique ou au supermarché. C'est, vous voyez. Sel fin iodé de cuisine. Sel fin iodé de cuisine. C'est ce que vous devez utiliser pour la fabrication de l'aliment de vos bétails. Pour éviter leurs problèmes. Voilà. Moi, j'ai pris l'exemple des volailles. En fonction de chaque espèce. Ça peut varier, le problème peut varier. Donc, utilisez toujours le sel fin iodé pour la fabrication de l'aliment de vos bétails. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était toujours votre ingénieur technique d'élevage. Abonnez-vous à la page YouTube SMVO Afrique, là où nous parlons de tout ce que nous maîtrisons. Nous mettons en pratique tout ce que nous disons pour obtenir des très bons résultats. Je vous aime. À la prochaine. Likez la vidéo. Voilà, on veut plus de 1000 likes sur cette vidéo.